S'il y a un sujet sur lequel le professeur Maurice Kamto et Cabral devaient s'entendre, eh bien, c'est sur l'état de droit de l'homme au Cameroun. Dans ce numéro, on parle de Maître Tafou. Je vous laisse d'abord suivre ce petit extrait de vidéo et on se retrouve derrière. Alors, à la suite de Kabalibi, le professeur Maurice Kamto envoie son message de soutien à Maître Tamfou. Je vous invite à lire l'essentiel du message du professeur Maurice Kamto à l'endroit de son ex-secrétaire général. Déclaration sur la torture intolérable de M. Richard Tamfou, avocat par des gendarmes. Quelques jours seulement après le message porté du secrétaire d'État à la gendarmerie nationale mettant en garde ses collaborateurs contre leurs actes de torture et autres abus, et le rapport accablant du Comité contre la torture de l'ONU sur le Cameroun, M. Tamfou Richard a été humilié et torturé sauvagement par des gendarmes du groupement de la gendarmerie de la ville de Douala le 27 novembre 2024, alors qu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Que M. Tamfou Richard trouve ici le témoignage de notre compassion et celui des militants du MRC, ainsi que nos voeux de prompt rétablissement. Le MRC condamne fermement cet acte choquant de cruauté infligé à un avocat qui volait au secours de sa cliente, objet d'une arrestation sans convocation préalable et sans mandat ordonné par un procureur de la République. Cet acte en dit long sur la formation des éléments du maintien de l'ordre et des officiers de police judiciaire dans notre pays, ainsi que sur l'incapacité ou le refus des magistrats en charge d'encadrer le travail de ces derniers afin de leur permettre d'accomplir efficacement leur mission. Le MRC, donc certains militants et sympathisants, sont des victimes de tortures graves et autres traitements cruels, inhumains et dégradants depuis l'élection présidentielle de 2018, exigent que les gendarmes auteurs de ces actes de barbarie insoutenables contre M. Tafou Richard soient sévèrement punis. Il faut aller au-delà des messages portés et agir sans délai pour mettre un terme à ces pratiques inqualifiables qui menacent désormais la paix sociale dans notre pays. C'est fait le 28 novembre 2024, signé le professeur Maurice Kamto. Écoutez, la situation de la liberté au Cameroun est inquiétante, inquiétante. Le dit, c'est de vous demander de vous préparer à de tels traitements. Ce n'est pas la première fois qu'on torture un avocat dans notre pays. Mais s'il perdait sa vie là, le cimetière ne sera pas si c'était un avocat ou pas. Hein. On est avocat seulement lorsqu'on est encore en vie. Entendons-nous sur les bases. Si tu perds ta vie à cause de la maladroiture d'un gendarme ou bien d'un policier, d'un homme en tenue, tu es déjà mort. Le reste suit. Que tu sois pasteur, chrétien, vendeur à l'église, élève, nous tous dans cette république, on peut être victime. Il faut te protéger, mon ami. Va t'inscrire au sport. Apprends à rendre ton corps dur. Prépare-toi à la souffrance. Aux dernières nouvelles, on nous disait que Maître Tafou est à l'hôpital. Voilà quelqu'un qui, en quittant chez lui, il a dit à sa femme et ses enfants qu'il revenait. Mais sa femme et son enfant savent qu'il est parti au travail. Donc, on n'a plus besoin d'aller faire les marches pour le MRC pour se retrouver en prison. Ou bien pour se retrouver torturé. C'est la loi du hop-high. Du Sicia. Il faut se préparer au pire. Daniel Washington a dit que mieux vaut be a soldier in the garden than a gardener in the warfare.
Est-ce que Emily peut nous traduire en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais? Be a soldier in a garden than a gardener in a welfare. Nous, la majorité des Camerounais sont les gardeners dans un warfare, dans un war environment. We have chicken hearts. We are living as if we were in paradise. Instead of warming up, we are singing glory. Glory! Glory! C'est parce que tu n'as pas encore vraiment compris où nous sommes. Voilà pourquoi tu t'amuses. L'avantage du sport dans ce genre de situation, c'est que ton corps est habitué à la douleur. Donc, tu peux résister encore 30 minutes. C'est les choses souvent comme ça là, qui font que les gens meurent vite. Quelque chose auquel tu ne t'entendais pas. Est-ce que vous avez vu comment chercher à le piétiner? C'est ça qui fait. Mais moi, on subit. Oh, si ton corps est un peu habitué à la douleur, ça peut même patienter même 30 minutes. Le temps pour qu'on te donne le rescue. Ce n'est que ça, la petite avantage que te demande de te protéger. N'oublie pas où nous sommes. Les dénonciations, les pleurs après, les soutiens, cela vient après. Face à toi, pour moins de 10 000, moins de rien, qu'on va commissionner quelqu'un qui vient te faire du mal, il ne mourrait pas un second thought. Prépare-toi. Si il vient te trouver éveillé, la donne serait différente. Maintenant, le professeur Maurice Kamto a tout dit dans sa lettre. Il dit notamment au secrétaire d'État, à la gendarmerie, Galaxie Eto'o, le fils de l'autre, qu'il ne faut pas se limiter à la parole. Le nord-ouest et le sud-ouest devraient parler à d'autres parties du Cameroun qui pensent que par la force, on peut tout résoudre. La population qui observe inopérante, lorsqu'elle est radicalisée, va agir. Et se comporter face à un être humain comme si on avait oublié que c'est un être humain, il n'y a pas pire que ça pour tendre les nerfs de la population. Ceux qui sont saoulés par l'ordre qu'on leur donne, oublient qu'en prison, il y a beaucoup d'hommes en tenue qui ont commis des petites fautes professionnelles. Face au peuple, quand tu leur intimides, tu as l'impression d'être proche de Dieu. Mais aussitôt que tu es détecté, soumis au poids de la loi, comme Maurice Kamto interpelle le secrétaire d'État à la gendarmerie de le faire, tu t'en rends compte comment tu es petit. Comment même le petit soutien de ta famille ne peut pas te donner à manger pendant un jour. Et tu te rappelles finalement de qui tu es. Tous les hommes en tenue, ceux qui sont zélés, n'oubliez pas Iwané, le sous-préfet d'Ida Bato. N'oubliez pas. Lui-même, il se croyait trop fort. La situation dans laquelle il se trouve en ce moment, on ne souhaite à personne. Mais c'est pour nous rappeler que le système dans lequel on vit sauve d'abord les plus gradés. Donc, bien que c'est vous qu'on envoie exécuter sur le terrain et que vous vous croyez supérieur à cette population, vous n'êtes pas vraiment aussi supérieur que ça. Ce n'est qu'une question d'escalier pour que vous vous retrouviez à quelque part, pas très loin de cette population-là. Donc, calmos. Voilà.